Bonjour et mes frères et sœurs dans le Seigneur. Matin, hein, c'est avec joie et honneur que nous la caillons. Et c'est toujours frère Zamio et Renel Desauguste Cadet et touche technique là et c'est Renel Desauguste Cadet aussi, mettez en nous là. C'est toujours nous-mêmes qui fait travail là. Et que matin nous sommes contents pour nous lever avec une joie cap débordé et qui lever avec un cœur plein de joie et aussi nous content pour nous remercier bon Dieu spécialement pour belle nuit qu'il fait nous passer. Mais Jean il dit il avait dit dans Psaume 3 verset 6, je me couche, je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Ça veut dire que c'est bon Dieu qui peut être nous dormi, qui peut être nous réveiller aussi. Et c'est lui-même tout qui permet nous de respirer. Maintenant, il mérite vraiment de bali. Il faut nous adorer, il faut dire merci pour bien faire. Nous faut adorer parce que c'est mon Dieu. Nous sommes contents pour saluer tout le monde qui est content et qui lève le matin. Hein. Et en forme, parce que nous sommes très contents aussi de ce peut-être vous avez trouvé un côté, vous venez au travail, ou du moins ou dans la machine, quelque chose que vous trouvez là, Frère des Augustes et Salio. Nous saluons un grand groupe, madame, et c'est Wilta et vraiment, et Bernard nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et Choua Machia nous saluer spécialement et tout le monde qui est toujours branché nous. Et la sœur Espérance nous saluer. Aussi nous saluer la sœur Noisette et vraiment qui nous va juste pas saluer. Nous saluer aussi la sœur Madame Elama et qui a écouté nous depuis en République Dominicaine. Mon Haïti nous saluer monsieur. Et Maître Gettier, qui est toujours branché dans des vies savanes, entouré, rakita. Nous saluons tout le monde, rakita nous, barasou, betel, opinal. Nous saluons, et que la zone côté, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous avons une brève lecture aussi dans Deutéronome, et vous écoutez, bon Dieu, et pour mettre bénédiction pour tout le monde, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Or, il arrivera, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre et garder à la pratiquer et tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, que l'Éternel, ton Dieu, te donnera la prééminence et sur toute l'habitation de la terre. Et voici toutes les bénédictions que Dieu et qui viendront sur toi et arriveront, et parce que tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans tous les champs. Béni et sera le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, que le fruit de ton bétail, la portée de tes vaches et de tes brebis. Béni sera ta corbeille et ta ruche, et tu seras béni dans ton entrée, et tu seras béni dans ta sortie. L'Éternel fera et que tes ennemis qui s'élèvent contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin, et ils sortiront contre toi par un chemin, et par sept chemins ils s'enfuiront devant toi. L'Éternel commandera à la bénédiction de tête d'être avec toi et dans tes greniers et dans tous ces et à quoi que tu mettra la main, et il bénira dans le pays et que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel te obligera, t'établira pour lui être un peuple consacré, et comme il l'a juré, parce que tu garderas
et le commandement de l'Éternel ton Dieu. Et que tu marcheras dans les voies, et tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel proclamé sur toi, et ils crieront. Et l'Éternel ton Dieu te fera abandonner et en bien, en multipliant le fruit de tes entrailles et le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel jurait tes pères et tes données. L'Éternel arrivera. L'Éternel t'ouvrira de ton trésor et les cieux pour te donner à la terre la pluie et en sa saison et bénir toutes les œuvres de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'en prêteras rien. L'Éternel te mettra à la tête et du peuple et non le queue. Et sera toujours en haut et tu ne seras jamais en bas car tu obéiras les commandements de l'Éternel et ton Dieu. Je t'ai prescrit aujourd'hui d'obéir, d'observer et la pratiquer. Que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche aucune de tes paroles. Je te donne, je te commande aujourd'hui pour aller vers d'autres dieux pour les servir. Parole du Seigneur. Ça veut dire que mon Dieu fait dans verset là, l'Éternel te fera tes ennemis qui se lèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin. Et par ce chemin, ils s'enfuiront devant toi. Ça veut dire que l'ennemi vient attaquer dans ce chemin. Mon Dieu fait demi en partie aller craser par ce chemin. Ça veut dire que au pas besoin de matin, quel que soit le problème, difficulté que vous gagnez, et mon Dieu gagne, vous avez une route à sortir ensemble avec vous. Peut-être, vous avez un problème, et vous avez tout ça qui l'a fait tourner, il y a une source de bénédiction. Et nous encore, l'Éternel a toujours fait marcher à la tête ou pas marcher tête baissée. La fois marcher tête en l'air, par exemple, tant qu'aigle. La fois marcher tête en l'air, tant qu'un chameau. Ou a toujours en haut, jamais en bas. Ça veut dire que c'est mon Dieu qui bénit et c'est mon Dieu qu'on bénit. Ça, on s'en faisait fait. Nous avons mis la foi dans mon Dieu. C'est lui qui peut mettre nous, il va quitter nous. C'est lui qui peut mettre nous, maladie qu'à vol, il va tuer. Et matin, il va tout bien. Pas découragé. Mais il dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières et par des supplications. Ça veut dire que, Père mon Dieu, gloire. Lisons qu'on a Matthieu chapitre 28, 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça veut dire que matin, ça, vous avez vous êtes plein tout yo, sort yo, Père mon Dieu. Parce que bon Dieu, il y a une solution. Solution en plein main. Ou vous êtes croyant dans lui-même. Ou vous êtes croyant, c'est lui qui a fait tout le bagaille sous quel. Père mon Dieu, c'est lui seul qui mérite. Et maintenant, on doit tout du matin. Ou même qu'à souffrir, lever, marcher, contempler la gloire de l'Éternel. C'est lui qui fait la terre. Et c'est lui qui a béni nous. Et sans lui-même, personne ne va pas bénir. Et vous avez servi une source de bénédiction, une source de bénédiction, une source d'encouragement pour tout le monde qui va passer, qui va souffrir tellement de temps, je vais souffrir. Il va tout bien.
pas découragé. Non, pas découragé. À chaque fois que vous découragez, vous baillez vague, vous dites pour Dieu va vous voir. Vous avez bien ça, vous dans son premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas à la compagnie des moqueurs. Oui, il est comme un arbre planté près des courants de l'eau. Il donne son fruit en sa saison et dans le feuillage de ce fruit est prêt. Et matin, ou bien vous donnez, ou bien vous baillez fruit, à moins que vous ayez souffert dans le pied, mon Dieu. Et vous êtes tout bien, vous êtes là, son fruit de bénédiction. Vous pouvez regarder comment vous pouvez aller, vous pouvez donner, vous dites, comment vous voyez ça fait donner. Ah ben on s'en peut boire. On va te lever dans mes temps roche. On va te lever dans mes temps sable qui va jamais mouiller. On va être fou quand même. Parce que quand on est connecté avec mon Dieu. Oui, on est connecté avec mon Dieu. Il va tout bien. Où sont les raisins? Où sont les raisins dans tout bois chaud? Ou bien pour donner, ou bien pour bailler l'ombrage, pas d'oublier matin ça. Ou bien matin là déjà, oui. Depuis dans les déserts, bon Jésus-Christ a gagné cette grande bataille. Et pourquoi? Pour que ça vous besoin affligé? Pour que ça? Mais ça me l'a dit, oui. L'Éternel te fera tes ennemis et qui se verront contre toi. Sera battu devant toi, ils sortiront contre toi par un chemin et par sept chemins s'enfuiront devant toi. Ça veut dire que vos impériens, problèmes, difficultés, vous avez un chemin pour aller déjà. Sauf s'oublier grand des bon Dieu. Oui, matin, pas crier. Ou une solution déjà. Tout simplement, créer un amen. Bon Dieu qui crée un amen. Il n'est pas résolu, mais à patience. À patience. Bonne journée, des frères. Vous pouvez le dire qui se cadre. Passez une bonne journée. Que vous avez béni. Pas oublier. Commenter. Et like vidéo nous. Vous partager. Que vous êtes béni. C'est toujours frère. Qui est derrière mes couilles. Et puis, vous pouvez activer les notifications. Dès que vous avez une vidéo, pour vous informer de nos nouveaux vidéos sur ce channel. Bonne journée. Bonne fête. Pâques aussi dans le Seigneur.